Bonjour, aujourd'hui nous allons initier une série sur le contrat d'assurance multirisque habitation. Elle nous permettra d'aborder les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un incendie? Qu'est-ce qu'un dégât des eaux? Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Qu'est-ce qu'une catastrophe technologique? Qu'est-ce que la garantie tempête, ouragan, cyclone ou TOC, etc. Qu'est-ce que la garantie dommage électrique, etc. Pour mieux appréhender ce qu'est un contrat d'assurance habitation, il faut bien se souvenir qu'on parle en réalité, et d'un point de vue juridique, d'un contrat multirisque habitation. Quelle différence? Eh bien, dans le contrat d'assurance multirisque habitation, on couvre plusieurs risques, notamment deux grands risques. Le premier, la responsabilité civile vie privée d'un côté du souscripteur et des personnes habitant normalement au foyer. De l'autre, les dommages aux biens causés par des risques comme l'incendie, le dégât des eaux, etc., à des biens mobiliers, comme des chaises, des tables, et immobiliers, comme des maisons ou des appartements. Ces garanties sont présentes dans un contrat qui s'appelle le contrat d'assurance, donc multirisque habitation. Il existe deux grands types de contrats, qui est le contrat, ou plus exactement, il existe deux types de documentation contractuelle. La première, qui est les conditions particulières, où sont comprises les différentes garanties souscrites, puisqu'il n'a pas l'obligation de souscripteur n'a pas l'obligation de souscrire toutes les garanties. Mais les conditions particulières mentionnent également le montant de la cotisation, l'adresse du risque, la superficie du bien immobilier quand est couvert un bien immobilier, et de l'autre côté la responsabilité civile vie privée contre les faits donc que le souscripteur ou une personne vivant au foyer cause à autrui. Nous aurons l'occasion de le voir dans ces différentes vidéos. La deuxième documentation, la grande documentation contractuelle, ce sont les conditions générales de vente ou les dispositions générales qui sont unanimes pour tous. Tout simplement.